Donald Trump a donc officiellement informé le président palestinien Mahmoud Abbas de sa volonté de vouloir déménager l'ambassade américaine en Israël à Jérusalem, un souhait émis depuis longtemps et qui a toujours suscité l'inquiétude de la communauté internationale. L'Union européenne s'inquiète des graves répercussions que cette décision pourrait avoir sur la stabilité dans la région. Nous sommes en plateau avec notre invité Sébastien Boussois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France 24. Vous êtes chercheur au Moyen-Orient et relations euro-arabes à l'UCAM, C'est l'université du du Québec à Montréal, en décidant ce transfert, du moins son souhait de transférer cette ambassade américaine à Jérusalem, quel signal Donald Trump envoie aux Israéliens et aux Palestiniens il est clair aujourd'hui que Donald Trump donne un, un signal extrêmement fort en faveur du gouvernement israélien parce que ça fait des années qu'on parle de cette histoire d'ambassade. Je crois que c'est un, un objectif et une obsession chez les Américains. Il faut euh, véritablement faire de Jérusalem la capitale de l'État d'Israël. C'est un peu ce, ce symbole de la nouvelle Jérusalem. C'est un peu ce retour de l'évangélisme, du millénarisme, du messianisme qui fait que euh, on est véritablement obsédé par ce chemin qui est de redéplacer l'ambassade seul contre tous en réalité. Mais ça, Donald Trump a fondamentalement l'habitude contre le droit international, contre la communauté internationale. Il n'y a aucun pays aujourd'hui qui a son ambassade à Jérusalem. Elles sont toutes à Tel Aviv. Donc ça pose une vraie question de Donald Trump dans ce magma tel qu'il est aujourd'hui faisant feu de tout bois, d'attiser encore un peu plus le feu dans une région qui n'en a peut-être pas besoin. Alors ça pose une question aussi, c'est est-ce que Donald Trump veut la paix et si on ose dire peut-être à quel prix Donald Trump veut la paix comme tout le monde en réalité les Israéliens veulent la paix les Palestiniens veulent la paix on n'est pas conditionné pour être évidemment pour la guerre la vraie question comme vous le dites c'est à quel prix et fondamentalement quand on voit l'évolution et quand on voit la position de Donald Trump on voit clairement que on se retrouve dans un statu quo qui se maintient dans un blocus dans un blocage complet pardon des négociations dans une situation où euh, l'état palestinien aujourd'hui pose véritablement question, est-ce qu'il y en aura un On peut continuer à le défendre, on doit probablement. Mais aujourd'hui, on, on est dans une impasse. Jérusalem est dans un processus de judaïsation extrêmement fort depuis des années. On est dans une situation où Mahmoud Abbas s'est réconcilié avec le Hamas. C'est peut-être probablement là l'occasion de faire pression sur les Palestiniens et d'isoler l'autorité palestinienne un peu plus et de donner finalement les clés à un Benjamin Netanyahou qui, à mon avis, est plus puissant que jamais. Alors, les relations étaient très compliquées quand même entre Benjamin Netanyahu et Barack Obama. Là, actuellement, est-ce que Donald Trump veut encore une fois prendre le contre-pied de son prédécesseur On a l'impression aussi d'une opposition systématique. Oui, quand je vous parlais de messianisme, c'était intéressant avec les élections avant le retour d'Obama de, de, et, et Mitt Romney. Quand il y a eu la campagne en 2012, l'objectif fondamental de, de Benjamin Netanyahou était évidemment d'avoir un républicain euh, au pouvoir parce que les relations avec Barack Obama étaient, étaient exécrables. Difficile, ouais. et on se retrouve aujourd'hui effectivement dans une situation où Net Netanyahou peut aujourd'hui clairement afficher ses positions de droite et d'extrême droite d'un gouvernement qui est extrêmement dur à l'égard des Palestiniens, extrêmement dur à l'égard des Arabes en général. Et donc on se retrouve effectivement avec, je dirais, une, une diagonale qui est extrêmement favorable à la colonisation qui n'a jamais cessé et à une situation où Jérusalem pourrait s'embraser du jour au lendemain, parce qu'il n'y a pas uniquement que les Américains qui peuvent donner ce vatou au gouvernement israélien, il y a aussi, on le voit bien, à l'intérieur même de la société israélienne, des courants, comme je pense au courant à l'Institut du Troisième Temple, dont le seul objectif après est de détruire l'esplanade des mosquées pour reconstruire le Temple. Donc on est dans quelque chose qui peut paraître extrêmement effrayant et les pays arabes, évidemment, sont très... On est dans une nouvelle donne politique entre les États-Unis et Israël aujourd'hui. On a basculé dans une nouvelle ère. Non, on est dans la poursuite de ce qui se fait depuis 1947, depuis, euh, depuis euh, le, le vote du plan de partage, depuis euh, l'évolution d'Israël de, et de la politique israélienne d'un point de vue de la colonisation, d'un point de vue d'une de, de, israélisation de, 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 la, de la ville de Jérusalem. Je crois qu'on est dans un continuum qui est extrêmement confortable pour tout le monde parce qu'en réalité, en Israël, un statu quo. Oui, c'est un statu quo, sauf la colonisation qui se poursuit, mais c'est un statu quo des négociations, et où finalement, euh, le seul front qui est relativement stable pour Israël dans ce contexte régional qui est quand même très inquiétant depuis quelques années, c'est finalement la situation palestinienne, avec une autorité palestinienne qui collabore euh, quand elle le peut d'un point de vue sécuritaire et qui dessert indirectement les Palestiniens. Le processus de paix est moribond aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui cette décision de Donald Trump peut justement mettre un terme à cette solution à deux États, à ce processus de paix je m'interroge toujours de cette question de la solution à deux États. À partir du moment où on a un peu l'impression que le parti des colons a gagné, comme certains disent, et que finalement ces 400 000 colons qui sont aujourd'hui ou habitants des implantations, comme on veut, qui se retrouvent aujourd'hui dans, dans les territoires, on ne voit pas bien comment à un moment ou à un autre on pourra les retirer. Il y a plusieurs éléments qui, qui ont tendance à, à aller dans le mauvais sens, c'est-à-dire les lois d'annexion. L'annexion, je veux dire, elle est, elle est, elle est les lois d'annexion de 1980 sur Jérusalem. La loi, l'année dernière, passe à la Knesset sur l'annexion pure et simple des territoires, des territoires palestiniens. Il ne faut pas oublier encore une fois que cette histoire d'ambassade et cette capitale, elle est un symbole fort pour les États-Unis, parce qu'il y a une loi aux États-Unis qui dit depuis 1950 que la capitale d'Israël est Jérusalem, et qu'en fait on décale à chaque fois l'application de cette loi, ce qui est quand même un symbole assez intéressant. Merci Sébastien, vous soyez venu sur notre Merci plateau. Merci pour votre éclairage. Nouvelle vidéo.